Nouveau rebondissement dans l'affaire Maddy McCann. Alors que la police poursuit son enquête sur la disparition de la petite Madeleine McCann, disparue le 3 mai 2007 au Portugal, le principal suspect fait parler de lui. Actuellement détenu à la prison allemande d'Oldenburg pour le viol d'une femme de 72 ans en septembre 2005, Christian B. vient d'être inculpé pour d'autres faits survenus entre 2000 et 2017 au Portugal. D'après le parquet de Braunschweig, l'Allemand, âgé de 45 ans, est accusé de 5 autres faits de viol et d'agression sexuelle, ce qui vient renforcer son profil de délinquant sexuel multirécidiviste. D'après les premières informations, il serait accusé de viol sur une femme âgée entre 70 et 80 ans, d'une jeune fille de 14 ans et d'une jeune femme de 20 ans. Une agression sexuelle quelques jours avant la disparition de Maddy McCann. En plus des 3 viols, Christian B. serait accusé de 2 agressions sexuelles commises sur une jeune Allemande de 10 ans sur une plage du district de Faro, le 7 avril 2007 et sur une jeune Portugaise de 11 ans, à Bartolomeu de Messines, le 11 juin 2017. La première agression serait survenue seulement 26 jours avant la disparition de Maddy McCann, à seulement 11 km de là. D'après le parquet de Braunschweig, l'acte de mise en accusation a été précédé de plusieurs années d'enquêtes très intensives et coûteuses dans plusieurs pays européens. De son côté, Hans Christian Wolters, le porte-parole du parquet de Braunschweig, avait déclaré en avril dernier : « Mes collègues travaillent plutôt sur ces autres cas afin de pouvoir clore ce chantier dans un avenir proche. Quand ce sera terminé, nous nous occuperons exclusivement de Maddy. » L'enquête devrait donc se poursuivre.